Le successeur de Marcelinho pour Super Ebony 2012 sera connu le 28 décembre prochain à l'occasion de la soirée des Ebony. D'ores et déjà, les journalistes désireux de participer au concours du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2013 peuvent déposer leurs différentes productions au secrétariat de l'UNJCI à la Maison de la Presse au Plateau, et ce, du 18 octobre au 18 novembre prochain. Chaque candidat devra déposer 3 reportages, 3 enquêtes et 3 interviews, en plus des prix traditionnels que sont le prix de la presse écrite, de la radio et de la télévision, s'ajoutent 5 nouveaux. Nous avons le prix Diego Bailly, ça existe depuis toujours, le prix Jérôme, le prix Jean-Pierre Ayé, le prix Joseph Diomandé. Ça, c'est des prix traditionnels institués par l'UNJCI. Mais depuis l'année dernière, nous avons le prix Nadir Raïs. Et cette année s'ajoute le prix du meilleur journaliste culturel. Pour l'édition 2013 de la soirée des Ebony, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire annonce des innovations. Cette année, nous allons recevoir le directeur général du journal Le Monde, M. Louis Dreyfus, qui a accepté de venir à Abidjan. Également, nous recevrons comme invité spécial le président de la Fédération internationale des journalistes, c'est M. Jim Boumela. Donc nous l'attendons également à Abidjan. Le Super Ebony aura, comme les éditions précédentes, en plus d'un lot de sponsors, une villa.